On est de retour à Séraphin RH 88.1 et 106.7 avec notre invité, André Carl de Vachon. Pourrais-tu nous continuer avec ça, l'histoire de des capucins, puis la recherche que tu as faite là-dessus? Les documents ici au Québec puis au Nouveau-Brunswick, il y avait pas mal de documents qui ont été perdus. C'est comment que tu as fait pour détourner ça, toutes ces affaires-là? Alors évidemment, ça c'est les guerres ont été désastreuses pour cette documentation-là. Il y a eu tellement d'attaques sur Port-Royal par les Anglais. Ensuite, bon, c'est devenu la Grande-Bretagne, donc les Britanniques. Il y a tellement de documents détruits. C'était toujours la question, est-ce que ça sera possible? Parce que moi, je pars toujours avec l'hypothèse. Est-ce que je suis capable d'identifier, est-ce que je suis capable d'aller chercher, de trouver ou du moins de pallier au manque de documents pour arriver à avoir une histoire qui est un petit peu plus formelle, comme je disais tout à l'heure. Alors, je suis entré en contact avec, j'ai écrit à mon Dieu, à tellement d'endroits par courriel, en France, essayer de rejoindre des communautés, des Capucins pour comprendre les archives sont où, par finalement tomber sur un centre à Paris qui avait justement les archives des Capucins. Donc, c'était les franciscains qui ont ça. Alors, c'était vraiment complexe. Et là, de correspondre pendant la pandémie, des heures de plaisir à essayer d'avoir des réponses, à obtenir des documents. Finalement, sur BNF, donc la Bibliothèque nationale de France, évidemment, il y avait aussi dans la section numérisée les vieux, vieux, vieux manuscrits, justement, des Capucins. Alors, j'ai combiné l'information que j'ai réussi à obtenir par les archives des Capucins avec ces vieux livres-là, dont un qui datait de 1700, mon Dieu, deux. Un vieux manuscrit, un beau bijou que j'ai pu lire, justement, où là, on nous parle, évidemment, les Capucins sont partis en 1655, là, les derniers. Alors là, on parle de 45 ans, 47 ans plus tard, on a effectivement le prêtre qui écrit, le frère, qui écrit justement sur ce qui vient de se passer 50 ans avant. Alors évidemment, on a quelque chose d'un peu plus direct. C'est évidemment avoir l'écrit du contemporain, ce serait encore mieux. On ne l'a pas, mais on a cet écrit de plus direct. Et donc, c'était vraiment intéressant. Et je suis tombé dans leur livre. Toutes les communautés religieuses écrivent les nécrologies et on a donc pour chacun des frères ou des pères dans les Capucins, encore là, c'est à la main, c'est de vieux livres de fin 1700, 1800. Et là, j'ai fini par trouver là-dedans et recenser tous les Capucins qui sont venus en Acadie, faire leur petite biographie, lire dans les lettres justement qui sont dans les archives du Vatican. Justement pour comprendre qui est parti quand, qui est revenu, retourné, parce qu'il y a eu des allers-retours en France aussi avec certains d'entre eux. Et ce qui était mélangeant et ce qu'il fallait vraiment faire attention, c'est qu'au départ, quand on donne aux Capucins justement ce droit de missionariat, si on peut dire ça comme ça, c'est en Amérique du Nord et ça comprend de l'Acadie à la Floride. Et tout ça, ils appellent ça même. Ils appellent ça le Canada, là. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, eux, ils prennent Canada dans le sens Nouvelle-France. Parce que ça aussi, on voit ça dans les cartes de l'époque. Les cartes géographiques sont mélangeantes. Souvent, ça va être écrit Canada ou Nouvelle-France. Et là, qu'est-ce qui est Canada? Qu'est-ce qui est Nouvelle-France? Est-ce que c'est la même chose? Et là, on arrive en 1763. Finalement, Nouvelle-France, c'est tous les territoires de l'Amérique du Nord au complet, incluant la Nouvelle-France, l'Illinois. C'est complexe. Alors, le terme évolue. Il faut comprendre. Donc, finalement, il fallait que j'isole, pardon, ceux qui sont allés vers ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis. Donc, c'est enlever ces frères-là qui n'ont pas été en Acadie, mais qui, des fois, c'est indiqué, là. Même, il y a des fois, ça inclut les Antilles. Alors, on envoie des frères en Antilles, donc notamment en Guadeloupe, et on dit qu'ils sont partis vers le Canada. Imaginez. Et là, on se rend compte dans les archives justement de la Guadeloupe, ils sont là. Et donc, c'était un cafouillis à démêler, à restructurer, comprendre le schéma, trouver les allers-retours. Parce que j'ai aussi établi finalement, parce que dans les archives, on nous dit à un moment donné qu'il y avait 12 Capucins. Alors, il y a deux listes formelles qui existent.
celle de 16-39 et de 16-49 ou environ, parce que là, c'est selon les départs, j'ai réussi à établir c'était vers 48-49. Mais seulement deux listes formelles qui existent. Et donc, ensuite, aller faire les allers-retours, aller chercher. À un moment donné, on a une demande de quatre Capucins qui disent qu'ils veulent revenir en France parce que, bon, ils n'en peuvent plus, il y a une lapis B dans la colonie, je ne sais pas quoi. Alors, de tout débroussailler ces documents-là, des fois même en latin. Alors, mon latin, il était pas mal rouillé, là. J'ai appris les rudiments à l'université, mais donc, c'était un peu complexe. Alors, j'ai réussi à contacter un professeur qui est retraité de mon école, qui enseignait le latin dans le temps que c'était le collège classique. Alors, j'ai réussi donc un père U10. Alors, j'enseigne au collège en 1 à Montréal. Et qui m'a traduit qui a corrigé ma traduction finalement que j'avais faite. Donc, je n'étais pas trompé, j'avais compris le sens de mon affaire, mais là, c'était plus clair, c'était plus évident à comprendre. Et donc, ça aussi, parce que dans mon livre, je trouvais important, la deuxième partie, ce sont les textes d'époque classés vraiment par année, donc de 1632 à 1654, et je dirais même et plus, parce que le dernier texte qu'on a, c'est dans le fond, le même rapport. Vous savez, les Jésuites nous faisaient le rapport des Jésuites, et ça, c'est intéressant. Bon, il était censé avoir ça aussi au niveau acadien, mais ça s'est un peu perdu. Mais il y a quelques rapports existants, notamment celui qui a été traduit, dont je vous mentionnais, qui date de 1633. Et on a celui de 1656, où là, lui, il est vraiment plus long. Et il nous fait vraiment une description des lieux, de l'évolution des lieux, puis comment ils se sont répartis sur les territoires, etc. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et le dernier que j'ai ajouté, qui date de 1685, c'est un rapport où on fait témoignage sur les réalisations de l'ancien gouverneur Menou Daunay, qui est décédé en 1650. Et là, c'est tous des témoins alors de ces réalisations. Alors, il fallait donc qu'ils soient arrivés avant. Et évidemment, c'est une chose que j'ai rajoutée à la fin, même si c'était hors contexte, dans le sens de l'année, mais du contexte historique, oui. Alors, ce qui permettait aussi, ça a été un des documents qui permettait de venir placer justement l'arrivée de ces Acadiens-là pour bien comprendre, notamment Daniel Leblanc. Il est signataire, et là, les gens disaient qu'il est arrivé autour de 1650. Bien, là, il est nécessairement arrivé avant. Et là, si je regardais les contrats d'engagement, comment ça fonctionnait, bien, on s'engageait soit pour 2 ans ou pour 3 ans. Alors, il devait être arrivé au moins en 1647 ou 1648. Alors, en regardant dans les documents, bon, c'était plus 1648 qui avait une logique. Alors, même chose, donc, plein, plein, plein de documents comme ça qui faisaient en sorte que ça donne un beau résultat. En tout cas, j'ai hâte. J'attends les épreuves d'un jour à l'autre. Alors, j'ai vraiment hâte de voir le fini que vous aurez accès par la suite, évidemment, tout le monde. Bon, ça va être le fun. Pourrais-tu nous dire combien de familles tu penses qui ont venu s'établir au Québec, tu sais, dans la région de Lanaudière, Sorel, de tout ça? As-tu une sorte d'idée? Je ne vous le dirai pas en fait de famille, mais je vais vous le dire en nombre. Parce qu'effectivement, il est venu dans la période de la guerre de 7 ans, donc de 1755 à 1763. Il est venu, donc 1935 réfugiés acadiens, et la très grande majorité vont s'établir, prendre racine, et dont certains iront ensuite soit dans le nord d'Ontario ou même peut-être même dans votre région, là. Je sais qu'il y en a qui sont allés travailler au canal de Welland, parce qu'il y a des membres de ma famille qui ont été là, notamment des Lejeunes. Je sais qu'il y a des Landry aussi qui sont allés dans la région de l'Est ontarien, là, dans la région de Saint-Isidore. Et il y en a qui sont allés aussi dans la région de Hearst, Coppell et ces coins-là, dont des membres de ma famille du côté de mon père. C'est ça. Et ensuite, dans le fait des réfugiés, je vous ai dit, c'était 1312 qui vont venir après-guerre, donc en tant qu'immigrants, donc pas comme réfugiés, donc à distinguer. Qui est autour de 3 312 Acadiens qui vont venir au total dans cette période-là, ce qui fait beaucoup, beaucoup de gens. Ils vont établir 5 communautés acadiennes, donc les petites Cadis dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a Saint-Gervais, qui est la toute première en 1756, qui est au sud de Québec, directement au sud de Saint-Charles-de-Bellechasse.
Ensuite, on aura les Acadiens qui vont s'établir justement à Saint-Grégoire, donc au sud de, donc à Bécancour aujourd'hui, là, c'est fusionné, donc au sud de Trois-Rivières. Ensuite, dans la Naudière, ils vont aller à l'Assomption, mais on va les envoyer en arrière-seigneurie. Ils vont fonder Saint-Jacques, qui est donc la paroisse mère du territoire justement qu'on appelle la Nouvelle-Acadie aujourd'hui. Et par la suite, des immigrants viendront et ils iront fonder ce qu'on appelle l'Acadie, donc au sud de Montréal, qui sera fusionné aujourd'hui à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a aussi en Gaspésie, évidemment, les premiers réfugiés acadiens dans le Barachois à Bonaventure, donc qui arrivent à l'automne 1760 et qui s'installent là. Et par la suite, on va faire venir, les Jerseyais vont faire venir des Acadiens de France pour travailler à leur pêcherie. Alors, ils vont fonder Passepébiac, ils vont s'en aller à Carleton, on les envoie par la suite un peu plus à l'intérieur. Donc, ils vont fonder Maria, il va y avoir plein de communautés acadiennes là aussi. Évidemment, ils vont se marier avec des Québécois, des Autochtones aussi qui sont sur place, hein, la communauté Mi'kmaq. Alors, évidemment, ça en fait beaucoup. Donc, juste dans cette période-là, comme je vous disais, de 1755 à 1775, on parle de 3312 personnes qui viennent s'installer. C'est plus que les loyalistes. Oui, Mais exactement. on n'en parle pratiquement pas, mais les loyalistes, par exemple, on en parle. Et qu'on aime donc parler des loyalistes. C'est l'image qu'on s'est aperçue, c'était des pacifistes, ils se battent à pas, ils sont transportés, puis c'est tout, là, tu sais, qu'on a eu l'image. Puis toi, ton image de ça, c'est quoi? Bien, évidemment, c'est sûr que les gens, si on prend, alors, commençons par, bien, je vais y aller par les déportés pour commencer, puis justement, démêler un peu cette histoire-là. Les déportés, quand les envoyant en Nouvelle-Angleterre, ils ont été séparés, en fait, et détenus dans des communautés isolées. Alors, ils pouvaient être juste trois familles dans la même ville, puis assez distancés pour pas qu'ils se voient ou presque. On a commencé par enlever les enfants pour les placer, les filles comme bonnes dans certaines familles et les garçons comme apprentis dans d'autres familles pour qu'ils justement ils apprennent l'anglais et qu'ils deviennent protestants parce qu'ils auraient suivi leur maître et donc ils auraient été à l'office protestant. Alors évidemment, le plan était bon, hein? Quelques années, un enfant de 8 ans, 3-4 ans plus tard, s'il a jamais reparlé français, il va le perdre son français, là, évidemment, puis il va parler la langue des maîtres. Alors, le plan était comme ça. Il y aura beaucoup de revendications qui vont faire en sorte que quelques mois plus tard, je pense que c'est au moins 6 mois plus tard, les enfants vont retourner aux parents. Tous, probablement pas, parce que si les parents étaient décédés, donc il y a des enfants qui sont probablement restés chez les maîtres. Il y a un document en 1763, il y a une dame qui signe, c'est une Acadienne qui signe en 1763 en Géorgie qu'elle a vu des enfants être vendus pour travailler dans les plantations, alors avec les esclaves. Que sont-ils devenus, ces enfants-là? Les parents devaient être morts, ils ne devaient pas être à personne, donc ces gens-là ont été assimilés, puis on ne sait pas c'est qui, là. Ils sont perdus à jamais. Bref, ils avaient, dans les communautés de la Nouvelle-Angleterre, il y avait restrictions de déplacement. S'ils quittaient le périmètre du bourg dans lequel ils étaient détenus, la première offense, bon, il était emprisonné, il devait payer ensuite il y avait une certaine somme à payer pour ça, comme pour payer leur pénitence. La deuxième fois, il était flagellé en place publique. Alors, des gens qui ont été séparés de leur famille, qui ont perdu leur enfant ou leur épouse, il y en a très, très, très peu qui vont fuir, hein, parce qu'évidemment, c'est pas possible. Bon, ensuite, on va assouplir les règles. Les gens vont ensuite se rassembler dans les villes et dès qu'ils ont pu, ils ont dû demander permission au gouverneur de pouvoir quitter, de s'en venir notamment au Québec ou ceux qui étaient au sud allaient vers la Louisiane, qui était plus proche pour eux. Alors, donc ceux qui vont venir au Québec, évidemment, là, est-ce que ces gens-là vont être des battants? Ben là, ils ont eu de la misère pendant un certain temps, puis se faire flageller en public après avoir tout perdu, c'est sûr que ça leur tente. Évidemment, ensuite, rendu quand la paix est revenue et ils viennent s'installer au Québec, mais là, ça sera différent parce qu'ils sont libres. Alors, ces gens-là, ensuite, il y en a qui vont joindre, ils vont être
ils vont devenir des miliciens, eux aussi, là. Ils vont suivre les règles. Donc, oui, ils vont se battre à leur tour quand ça sera demandé. Ceux qui vont venir comme réfugiés, comme je nommais tout à l'heure, c'est ceux qui étaient aptes à prendre les armes qui se sont battus. Donc, 156 étaient aptes. Tous les autres, parce que les hommes, c'est ça, qui étaient malades ou infirmes, et les gens étaient malades. Donc, eux, ils se sont moins battus. Évidemment, ils avaient été retirés et ils étaient donc cachés. Donc, ça, c'est différent. Mais ceux qui étaient aptes, ils se sont battus. Aristigouche, les Acadiens qui étaient là, ils se sont battus aussi. Alors, là, ils étaient en majorité, donc ils se sont battus là avec. Donc, finalement, oui, cette image de gens épleurés qui se cachent, bon, il faut pas. Ça a été un petit peu édulcoré, un peu romancé. Il faut remettre ça en perspective. C'est ce que je présente justement dans mon dernier livre qui a été publié, justement, Les réfugiés miliciens acadiens, parce que vous dire, non, non, ils se sont aussi battus, ils ont eu un rôle. Et non, on était mes ancêtres, là, parce que là, je vais parler personnellement à mes ancêtres. C'était pas des petits chats battus là, ou des petits chiens battus là, qui se cachent là, en dessous de leur tanière, là. Non, non, ils se sont battus. Là, et je suis très fier de dire que j'ai de mes ancêtres qui étaient sur le champ de bataille, justement. C'était quoi l'une de tes plus grandes surprises que tu as eues dans tes recherches là, en force de documents ou de famille ou quoi, des choses comme ça, là? C'est sûr que quand j'ai fouillé dans les archives, et ça c'est dans les archives françaises, et que j'ai trouvé des documents qui n'étaient pas connus du Centre d'études acadiennes de l'Université de Moncton, notamment la liste que je vous mentionnais tout à l'heure des Acadiens à Preston, où là, même Stephen White, qui est le spécialiste, me disait, ne cherche pas, c'est une rumeur, ça n'existe pas, cette liste-là. Et je trouvais ça un petit peu étrange parce que dans un livre justement de la Louisiane, il y avait une référence archivistique, je me disais, ben, le prof n'a quand même pas inventé une source, là. Il a dû trouver quelque chose en quelque part. Et c'est là que j'ai trouvé, par un de mes contacts, justement en Louisiane, un de mes amis, co-auteur de l'Acadie hier et aujourd'hui, il m'a dit, ben, j'ai une copie du document, puis c'est drôle, la source dit Ottawa. Donc là, j'ai communiqué aux archives d'Ottawa. Il y avait effectivement une transcription. Puis là, je disais, oui, je comprends bien, mais moi, je veux l'original. Où est l'original? Et là, ils m'ont dit, dans les archives en France, puis là, j'ai dit, ben, vous me niaisez, des archives en France, il y en a pratiquement à tous les coins de rue. Là, j'exagère, mais à peine, surtout à Paris. Là, je dis, ben là, non. Et là, finalement, ils me sont arrivés avec trois adresses et c'est à la deuxième où j'ai pu crier bingo. Je l'avais trouvé, le document original. Et donc, j'ai acheté les droits pour pouvoir reproduire donc dans mon livre. Je dis, ben, finalement, ce n'est plus une rumeur. Ce n'est pas un document falsifié. C'est l'original. Ça, c'est bien là. Ensuite, évidemment, dans mes recherches en Martinique, de réussir à les identifier a été un accomplissement. Et encore plus, les prêtres qui officiaient justement dans les églises écrivaient les emplois dans leur registre en Martinique, ce qu'on ne voit pas nécessairement, ce n'est pas une forme généralisée ailleurs dans le monde, et du moins pas ici. Au Québec, en tout cas, je ne sais pas en Ontario, mais il me semble que non. Des fois, oui, là, mais dépendamment des époques, mais à ce moment-là, ce n'était pas formalisé. Et là, en Martinique, ça l'est. Et à chaque fois, c'est indiqué. Et là, ça m'a permis de comprendre qu'on voulait faire, parce que dans les documents des gouverneurs, on voulait faire des Acadiens, des agriculteurs. On voulait que l'île devienne autosuffisante, puis qu'on ait justement des jardins, puis de l'élevage de bœuf et tout ça. Et finalement, il n'y a, dans tous les Acadiens qui sont allés en Martinique, il n'y avait qu'un agriculteur. Les autres, c'était des gens de profession. C'est une des explications pour laquelle la communauté ne fonctionnera pas. Ils ne resteront pas là parce qu'ils ne sont pas des éleveurs et ça ne les intéresse pas. Alors, on a des armuriers, on a des gens qui travaillent, qui sont des tailleurs de pierre, on a des coutures, des gens qui taillent aussi des habits à ce moment-là. Donc, alors, ça ne fonctionnait pas entre le vouloir du gouverneur, puis finalement, la population choisie en se disant, c'est tous des agriculteurs. Non. Comme si on dit aujourd'hui, tous les Acadiens sont des pêcheurs. Non. Il y en a, oui, mais il y en a qui font d'autres choses dans leur vie. Il y a des enseignants, des médecins et il y a d'autres professions. Hein. Donc, c'est la même chose. Hein. On avait un peu généralisé à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'un des aspects qui n'a pas fonctionné, évidemment, quand l'île va être dévastée, l'île va avoir le même, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, Saint-Martin a été dévasté
vraiment littéralement nettoyé, Oui. hein, la tempête, l'ouragan a tout arraché. Bien, on a eu le même phénomène en 1766 en Martinique. Tout a été perdu, mais littéralement tout. Là, imaginez 1766, puis les Acadiens avaient déjà tout perdu en 1755. Là, ils reperdaient tout pour une deuxième fois. Bien, évidemment, la première fois, c'était à cause des Britanniques. Et là, cette fois-ci, c'était une intempérie qui avait vraiment tout ravagé. Mais imaginez recommencer à zéro pour une deuxième fois. Ça devait être décourageant. Et c'est là qu'on voit que finalement, des Acadiens vont aller vers le nord où ils sont plus habitués à un climat nordique qu'effectivement un climat tropical. Alors, ça fait vraiment une bonne différence. Puis, dans ton prochain livre, c'est quoi que tu vas spécifier là-dedans, là? Tu vas pointer sur quoi? Alors, il y a quatre chapitres importants. Donc, le premier, je voulais régler la question de qu'est-ce qu'on peut trouver dans les archives au niveau des actes notariés qui concernent autant les bateaux, mais les engagés. Et j'ai fait un portrait justement de selon aussi les gouverneurs. Donc, quel bateau est arrivé à quel moment, quels sont les documents. Donc, quand ça vient, les documents nous viennent des Capucins. Et des fois, on peut les relier à ceux qui étaient justement dans les archives notariales ou même de l'amirauté de La Rochelle, parce que c'est de là nécessairement majoritairement qu'ils sont partis. Et ceux qui sont partis d'ailleurs, mais évidemment, ceux qui partent de Dieppe, mais tout est perdu depuis les Grandes Guerres. Alors, c'était plus difficile, mais encore là, des fois, dans la Gazette Renaudot, qui était la Gazette française, le journal de l'époque, il y a des bribes d'informations que j'ai pu aller chercher. Et donc, j'ai colligé toutes ces informations-là. Donc, redonner un portrait, une vue d'ensemble sur l'arrivée des bateaux, ceux qui sont marchands, mais ceux qui sont pour les passagers également. Alors, ça, c'est vraiment la première chose. Et comprendre, c'est quoi le système des engagés? Les engagés, ce sont des gens qui venaient seulement travailler, soit pour une saison de pêche, soit pour un an ou pour 2 ans, des fois pour la construction de digues. Tout simplement, ils sont engagés, mais la majorité de ces gens-là ne resteront pas. Ils viennent travailler, ils viennent faire un coup d'argent, puis ils s'en retournent. Comme on a des travailleurs qui sont allés ici dans l'Ouest canadien travailler justement dans les raffineries en Alberta. Ils viennent une saison, ils s'en retournent. Bon, un de mes cousins fait ça. Et c'est correct. Donc, évidemment, il y a des gens qui. C'est comme ça aussi à ce moment-là. Donc, peut-être comprendre ce principe-là et ensuite d'établir, donc, les chapitres 2 et 3, la colonisation européenne. Donc, qui sont venus et qui est resté? Et quand sont-ils arrivés selon les documents d'archives? Donc, ça, c'était la chose qui, pour moi, est importante de démêler, démystifier aussi, bien comprendre. Alors, en 2 chapitres, ceux qui vont venir avec les 2 premiers gouverneurs, le premier gouverneur et ensuite les 2 derniers, pardon. Donc, ça, c'est chapitre 3 et 2 et 3. Et le quatrième, évidemment, pour les Capucins. Alors, les biographies des Capucins, comprendre qu'est-ce qu'ils sont venus faire, comment ça fonctionnait, aussi leur départ, leur arrivée, leur départ pour voir la cohésion dans cette histoire-là aussi. Et ça donne, parce que souvent, malheureusement, dans ce que je lisais au niveau de l'histoire acadienne, on parle très rarement de cette histoire religieuse-là. Et pourtant, on sait très bien qu'à ce moment-là, jusqu'à la Révolution. Et je travaille dans une école. Voilà. Pas de problème. Alors, si on reprend, oui, c'est ça, c'est jusqu'à la Révolution tranquille. Avant ça, c'était indissociable, hein, la religion et l'État. Et donc, on avait 2 systèmes de gouvernement, si on peut dire, hein? Celui qui s'occupe du temporel, donc le gouvernement politique, mais le spirituel qui prenait beaucoup de place. Donc, évidemment, il n'est pas question, donc je n'embarque pas dans la question des abus parce qu'on sait finalement que ça a existé. Mais il n'y en a pas qui sont mentionnés à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y en a pas eu? On ne peut pas dire ça, puis je n'embarquerai pas là-dedans. Mais c'était vraiment plus pour comprendre quel rôle ils ont eu comme développeurs, parce que c'est eux qui arrivent, qui décident, bon, on fonde une église, on ouvre une école, qui gère l'école et comment ça fonctionne. Souvent, on a lu dans la littérature que ces Acadiens-là étaient des analphabètes. Bien, il y avait des écoles, puis il y a eu des gens de métier. Alors, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas généraliser comme ils sont tous des pêcheurs, comme on a dit tout à l'heure. Alors, ça, c'était quelque chose qui était important pour moi de bien recentrer et en terminant avec justement toute cette panoplie de lettres qu'on peut lire pour bien comprendre comment ça fonctionnait dans le temps même des testaments de l'époque.
pour justement comprendre comment ça fonctionnait à ce temps-là. Ben, je te remercie beaucoup, André-Carl, pour avoir participé à CFRH 88.1 106.7 à la question métier. Merci beaucoup, pour ça. Grand plaisir. Merci.